Tous son côté bien, vous approchez. Ça va, on peut commencer. Voilà, c'est le collectif des avocats de Jacques Ndala. Nous venons de déposer la plainte à charge de la dame Dissochoa Mukendi Denise, celle qui est à la base de la sodomie qui a été faite à notre client dans les cachots de l'année. Étant donné que notre client est à ce stade ici, très malade, et de suite à ces viols-là, il y a eu altération de son organe qu'on appelle l'anus. Et évidemment, c'est pour ça que nous venons de déposer au jour d'aujourd'hui la plainte à charge de cette dame Denise Dissochoa pour que la justice congolaise puisse mettre la main sur lui afin qu'elle puisse répondre de ses actes par devant la loi. C'est pas maître, je vais me compléter. Disons que le silence coupable de la justice depuis plus d'une semaine, suite aux déclarations tout à fait ignobles de Madame Dissochoa, il fallait que nous, les sentinelles de la République, mais également ceux qui assistent à la justice, dans son droit, il fallait faire le nécessaire pour établir M. Jacques Ndala dans ses droits et que la justice se mette en marche. Donc, en toute confiance, nous allons entamer des actions judiciaires à l'encontre de Madame Dissochoa, Denise, pour l'intérêt, pour les intérêts de M. Jacques Ndala. Voilà, donc le procureur général que nous avons saisi fait la Cour de cassation, nous les supplions qu'il y a hyper urgence, il y a péril en demeure dans ces dossiers. Il faut que la justice puisse montrer que exactement nous sommes dans l'état des droits pour que Jacques Ndala soit rétabli dans ses droits les plus légitimes. Merci beaucoup.